Oh la sécu, j'espère que vous allez bien. Premier dimanche de ce mois de février, on se retrouve pourquoi? Bah, on se retrouve pour faire des vidéos sur comment apprendre certains ordres à son chien. Ça s'adresse pas forcément aux chiots ou aux chiens adultes particulièrement. Hein, c'est juste que les chiots, elles sont en train de rouler par terre. Ce qu'elle m'a vu avec la récompense. Donc ça s'adresse pas forcément aux chiens, aux chiots, peu importe l'âge, parce que de toute façon pour moi, les chiens peuvent apprendre à tout âge. C'est juste que les chiots apprennent plus facilement, petits, ils emmagasinent plus et c'est important pour la suite. Elle continue à rouler, c'est trop marrant. Surtout qu'il va y avoir une petite crise sûrement de l'adolescence, je fais une généralité, hein. Nous on n'a pas vraiment eu de gros soucis, mais bon voilà. Ils vont un peu moins bien vous écouter, donc profitez qu'ils soient chauds pour leur apprendre le plus de choses possible. Bref. Du coup, on va faire ce genre de vidéo tout le mois. Pour la première, je vais vous montrer comment apprendre à son chien à faire la belle. Donc, mais je vais vous apprendre les deux façons, hein, quand elle fait la belle sur son cul ou quand elle fait la belle debout. Pour n'importe quels ordres, il faut rester droit, debout, position d'assurance. Comme ça, voilà, tout droit, on est bien. Et bosser avec des récompenses. Bon, moi j'ai pris des petites croquettes comme ça, mais elle adore ça. Assis. Assis. Non, mais et tu vas où là? Assis sur mon pied, corps de chien. Donc prenez des récompenses, sinon ça va être compliqué de lui apprendre quoi que ce soit sans. Et ça va se dérouler en plusieurs temps. Déjà, vous avez le premier temps où il va falloir lui montrer de façon répétée ce que vous attendez d'elle. Peu importe l'ordre, ce qu'il faut faire, c'est lui montrer ce qu'elle doit faire. Donc vous lui foutez la croquette. Là, on va commencer par la belle sur les fesses. Donc vous la faites un peu monter comme ça. Et vous lui dites l'ordre que vous voulez lui apprendre. Moi, je ne savais pas quoi dire, donc j'ai dit up. Voilà. Donc up. Elle le fait 2 secondes, c'est bien. Bon. Vous récompensez. C'est bien ma doudou, tout ça, tout ça. Évidemment, au fur et à mesure où elle va comprendre et elle va répéter le truc, hop, hop. Donc on va en attendre un peu plus d'elle, que ça dure un peu plus longtemps tout ça. Il y a la gestion de l'équilibre aussi qui fait que, et puis on va pas se mentir, avec son museau, elle va reposer sur votre main, ça va l'aider sur l'équilibre. Le but c'est qu'elle le fasse sans qu'on l'aide, mais dans un premier temps, il va falloir lui montrer, hein, tes souhaits, il va falloir lui montrer ce qu'on attend d'elle. Récompenser 100% du temps au début, à chaque fois, assis, vous récompensez tout le temps. Et au fur et à mesure, au bout de X fois, vous allez récompenser 3 fois sur 4 par exemple. Vous allez récompenser 1 fois sur 2. Tu veux faire quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Alors flemmarde, assis. Allez, assis. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce chien? Allez, assis. Bon, on bosse là. Hein? Fini les conneries. Donc, au début, vous récompensez 100% du temps. Ensuite, 3 fois sur 4, 1 fois sur 2, 1 fois sur 4, ce genre de choses, jusqu'à arriver à récompenser aléatoirement, c'est-à-dire que vous allez lui filer une croquette, après vous n'allez pas lui filer, vous continuez à lui montrer ce que vous attendez d'elle, hop, hop, bah, t'as aucun équilibre là. Comment ton cul est posé là? C'est n'importe quoi. Allez, hop! Voilà, ça c'est bien. Et vous récompensez. Et le but, évidemment, c'est qu'elle le fasse sans qu'on la guide. Hop. Voilà, ça c'est bien. Un bel équilibre, c'est joli. Donc, va falloir plus ou moins de temps pour que ça se passe comme ça, évidemment. Il y a certains ordres, ça va durer plusieurs heures pour qu'elle y arrive d'elle-même. Il y en a d'autres où ça va prendre 5 minutes, quoi. Ça, c'était pour la version assise, relativement simple. Celle où elle est debout, c'est encore plus simple. Bien. Assez. Même principe, vous allez, vous prenez la récompense, vous lui foutez dans la gueule, vous avez son attention, vous dites là, la belle, et vous la guidez pour qu'elle comprenne. Bon, ça, c'est pas compliqué, vous n'êtes même pas forcément obligé de la guider. Assez. Suffit juste de lui foutre en hauteur. La belle, elle va essayer de le choper. Voilà, elle, tu tiens, tu tiens. Et bien, ma doudou. Vous pouvez mettre un geste pour chaque ordre. Ça, ça va être quand il n'y aura plus trop besoin de la guider. Hop. Voilà.
et on récompense. La belle, c'est pareil. Et bien. Et plus le temps passe, plus vous attendrez des choses de votre chien. Assez. Hop. Tu tiens. C'est bien. Hop. C'est bien. Voilà. Pour que ça fasse ça. Donc bon, après ça prend plus ou moins de temps, mais la belle. Moi, j'ai pris ce geste-là parce que bon, ça caractérise bien. Et doucement. Doucement. La belle. Tu tiens. Tu tiens. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien, ma fifi. Moi, je lui file quand même des récompenses hein, parce que même si elle maîtrise les ordres, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est comme si nous, on allait bosser gratos les trois quarts de l'année. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Un petit salaire pour son petit chien. Il est content. Ça lui fait plaisir. Et puis, bah, croyez-moi qu'après. Ça fonctionne sans récompense. Bon bah écoutez, première vidéo sur comment apprendre un certain ordre. Les vidéos vont sortir un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai besoin de mon assistante Julie pour me filmer parce que sinon c'est pas évident. Là t'as envie de jouer toi. Donc, écoutez, elle est en forme, on va jouer un petit peu. Bouh. Et puis bah, pour ceux qui l'ont pas fait, on s'abonne. Petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo sur ce nouveau format. Ce que vous aimeriez bien que je vous présente en vidéo pour ce mois de février. Et puis, avec Olive, on fait la bise. On vous retrouve mercredi pour le premier vlog. Le premier vlog sur comment perdre du poids avec son berger australien. Je pense qu'on va un peu rigoler. Allez, ciao !